Tu m'as choisi et tu m'as consommé. Seigneur, impacte ta parole dans ma bouche. Father God, je prie que la parole qui va sortir de ma bouche by the Holy Spirit, soit remplie par moi par le Saint-Esprit. Et ça sera la nourriture pour notre âme. It will be a lamp to their feet and a light. Ça sera une lumière à nos pieds. May your entrance of the word give light to everyone, Father God. Que ta présence donne de la vie à tout le monde. Que ta parole transforme tout le monde. May your word lead us to walk in the path. Que ta parole nous permet de marcher. May your word do things that would be pleasant to you, Father. Father, you are after our salvation. Seigneur, tu es après notre salut. We know that he whom you love, you correct. Father God, that your word will edify your people in the name of Jesus. My message, church, I want you to write this. I'm just giving a short message. Okay. The message is from the book of Romans, from chapter, from Romans 6, Romans 7, and Romans 8, and then also Genesis 1. So I'm just going to touch on this part about faith, how words can become life, how your mouth has power to transform your life, to change your life. Amen. So, thank you, sir. I'm sorry. The devil, you're a liar. You cannot stop me from speaking the word of God. Because the word of God, according to the word of God in the book of Hebrews 4 verse 12. Dans le livre de Hébreux 4, 16, the word of God is living. La parole de Dieu vit. The word of God is powerful. La parole de Dieu est puissante. The word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul, spirit, joint, marrow, descendants of the thoughts and the intents of the heart.
according to him. Hebrews 4, verse 12. So your word says, Father God Almighty, ta parole nous dit, Seigneur, that we can do all things through nous pouvons tout faire en accord avec toi. Your word also says, Father God ta parole Almighty, nous dit aussi, that you are the strength of our life. Tu es la force de notre vie. Your word says, Church, I really want you to focus on this teaching because it's going to help you a lot to transform your life. Je veux que nous soyons attentifs à ce que je dis parce que ça va nous aider. It will transform your life. Ça va transformer nos vies. Nos pensées, it will align your thought with the thought of God. Ça va nous mettre en accord avec la pensée de Dieu. Anything you speak, you tout ce que tu vas dire, ça va se manifester. Just as according to the book of Genesis, par rapport au livre de Genèse, God said, Dieu dit, let there be light. Qu'il y ait la lumière. And there was light. Et la lumière fut. First of all, before you say it, you have to visualize. Avant de dire, il faut avoir une vision. And when you visualize it, et quand tu as la vision, it will manifest. Et ça va se manifester. That's why you have to believe what you are saying. C'est pourquoi tu dois croire ce que tu dis. Pour que tu puisses recevoir. If you don't believe, si tu ne crois pas, you cannot receive. Tu ne peux pas recevoir. Because you have doubt. Parce que tu as des doutes. That's why the word of God says, et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Romans, dans le livre de Romains, that faith come by hearing the word of God. La foi vient de ce qu'on entend. Not in the physical, pas dans le physique, but in the spiritual, mais dans le spirituel. Because the physical is parce a que dans le physique, the physical is a carnal mind. It work against the will of God. Le physique travaille contre la parole de Dieu. I will give you an example. Je vais vous donner un exemple. To prove to you that the word we speak, pour vous prouver que ce que nous disons, we have no power over it. On n'a pas le pouvoir, mais seulement Dieu. If you don't walk in alignment with the word of God, si tu ne marches pas en accord avec la parole de Dieu, the word of God from you. Dieu reprend la parole loin de toi. Zachariah. Un exemple dans Zacharie. When the Holy Spirit said the wife will conceive. Quand la parole de Dieu nous disait que la femme de Zacharie allait enfanter. Because he had doubt. Parce qu'il avait des doutes. God blocked his mouth. Dieu a fermé sa bouche. Because so that the thing will manifest. Parce pour que la chose se manifeste. If God did not block his mouth. Et Dieu, si Dieu n'avait pas bloqué sa bouche. It will not have manifest. Ça ne pourra pas se manifester. Because of the doubt in him. À cause du doute qui était en lui. Sarah, when God spoke to Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, you have a child. Tu auras un enfant. Sarah did not believe. Sarah n'a pas cru. He looked at the flesh. Elle a regardé à sa chair. He didn't look at what the word. Elle n'a pas regardé à ce que Dieu a dit. So God knew that he didn't believe. Dieu savait qu'il ne croyait pas. But because of the faith the husband had. À cause de la foi d'Abraham. God manifested it to come to pass. Dieu a manifesté sa parole. Everything we need. Tout ce que nous avons besoin. We have it in us. Nous avons ça en nous. Everything God created. Tout ce que Dieu a créé. He created in abundance. Il a créé en abondance. And he said it was good. Et il a dit que c'était bon. So anything you want. Tout ce que tu veux. In prayer. Dans la prière, when you pray, quand tu pries, believe that you have it. Tu dois croire que tu l'as déjà you reçu et tu as reçu. I'll give you an example. Et je vais vous donner un exemple. I pray for one lady. J'ai prié pour une dame. Who was sick. Elle était malade. When we finished praying, lorsqu'on avait fini la prière, we said, it is over, and we said, amen. On a dit c'est fini et nous avons dit amen. But when she was leaving, mais quand elle partait, she nullified the word. She nullified the word. Nullify, cancel the word. Elle a annulé la parole de Dieu. How did he nullify the word? Comment elle a annulé? He said, Pastor, continue to pray for me. Elle a dit, Pasteur, continue de prier pour moi. So that this sickness should go away. Et que la maladie s'éloigne de moi. I call her back. Je l'ai rappelé. I said, that means you just cancel every prayer we have prayed. Je lui ai dit, donc tu as tout annulé, toutes les prières qu'on a faites. You didn't believe what we tu, n'as pas, tu n'as pas cru à ce qu'on a dit. So you have canceled it. So tu as annulé. You have to withdraw the word. Tu in as, order for the prayer we have prayed to tu dois enlever la cancellation. Tu dois oublier. You have to withdraw the word. Oh, tu dois retirer la parole. Oui. For it to manifest. Pour qu'elle se manifeste. Because he had doubt in his mind. Parce qu'elle avait des doutes dans son esprit. So if you pray, believe that you receive. Et si tu pries, il faut savoir que tu as reçu. It doesn't have to manifest. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça se manifeste. The pain can still be there.
The pain can still be there. Oh, la douleur peut toujours être là. But the word of God has power over. Mais la parole de Dieu a le pouvoir au-dessus de cette douleur. Word of God says, parce que la parole de Dieu nous dit, our body is a temple. Notre corps est le temple. Redeem, sauvé, healed, délivré, délivré, sacrifié, justifié par Jésus-Christ. And the word of God also says, et la parole de Dieu nous dit aussi, in the book of Mark 16, dans le livre de Marc 6, that God has given us power, que Dieu nous a donné le pouvoir, power of the Holy Spirit, le pouvoir du Saint-Esprit, power to lay hands on the sick, le pouvoir de guérir les malades, power to cast out demons, le pouvoir de chasser les démons, power over the, all the power of the enemy. Tous les pouvoirs de l'ennemi. So all the powers of the enemy are under your feet. Tous les pouvoirs de l'ennemi sont sous nos pieds. If the power of the enemy is si le pouvoir de l'ennemi est sous tes pieds, you have no, they have no authority over you. Ils n'ont pas d'autorité sur toi. You have authority over. Tu as l'autorité sur eux. I'll give you another example. Je vous donne un autre exemple. Go to the book of Mark 9. Allez dans le livre de Marc 9. Verse 11. Verset 11. Everything is practical and is biblical that I'm saying to you. It's going to help you to transform you, to change the way you think and the way you do things. Okay, the word of God says, when the father of the child, la parole de Dieu nous dit que le père de l'enfant, the word of God says in Mark 9, verse 24. Sorry, verse 24. Mark 9, verset 24. Say, when the father of the child came to Jesus, lorsque le fils, le père de l'enfant vient à Jésus, Jesus asks him, do you believe? Jésus lui demande, est-ce que tu crois? That I can heal your son? Que je peux guérir ton enfant? He said, I believe. Il dit, je crois. But help me of my own belief. Mais aide-moi à croire. The father knew. Le père savait. That he had unbelief. Qu'il ne croyait pas. That he also had problems. Qu'il avait aussi des problèmes. Then he asked Jesus Christ for help. Mais il a demandé à Jésus de l'aider. The word of God say, la parole de Dieu nous dit, we can do all things. Oui, nous pouvons faire toutes choses. Through Christ. À travers Jésus. Who strengthens us. Through Christ who strengthens us. Qui nous fortifie. So if you believe, et si tu crois, and you as you believe, et tu dois croire, you put it in practice, tu mets en pratique, you get an answer. Tu auras la even the word of God says, mais la parole de Dieu nous dit, that God has given us everything in seed. Dieu nous a donné tout in seed. En ce monde, if you go to the book of Genesis 1, si tu vas dans le livre de Genèse 1, you see that God, tu verras que Dieu everything we nous need a donné tout ce que nous voulons dans ce monde. And then not only has he given the seed to us, nous a, en plus de, du monde qu'il nous a donné, for you to receive, il nous encourage à recevoir. You have to sow the seed. Tu dois planter. And the seed has to die. Et le grain doit mourir. In order for it to grow, pour qu'il puisse grandir. To multiply, pour se multiplier. To be fruitful. In order for us to become what God says we should become, pour que nous puissions devenir ce que Dieu veut que nous voulons, nous soyons. We have to surrender everything to God. Nous devons tout laisser entre ses mains. We have to abandon the things. Nous devons abandonner toutes choses. We have to abandon the things of this world. Nous devons abandonner les choses de ce monde. After God. Et aller vers Dieu. I'll give you another example. Je vous donne un autre exemple. It is right here, right now. Et c'est ici maintenant. You can see my eyes swollen. Vous voyez mon œil qui est un peu enflé. Si je regardais à ma chair, I won't be here today. Je n'étais pas ici ce matin. But to prove to you that the body I have is mais pour vous prouver que le corps que j'ai n'est pas à moi, the things I do are not mine. Ce que je fais n'est pas pour moi. This body has no authority over me. Ce corps n'a pas d'autorité sur moi. I'm here to speak. Je suis ici pour vous parler. Because the word of God is life. Parce que la parole de Dieu est la vie. Because the word of God is all that we need. Parce que la parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. Because the word of God can take you wherever you want to go. La parole de Dieu peut t'emmener où tu veux. The word of God can move mountains. La parole de Dieu peut déplacer les montagnes. God is after our salvation. Dieu est après notre salut. God is after what we'll do for the kingdom of God. Dieu est après ce que nous allons faire pour le royaume de Dieu. Adam and Eve. Adam et Eve, receive knowledge out of ils ont reçu la connaissance. So I end with this.
I end with this message. And, alors je finis ce message. The word of God said in the book of Matthew 6. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 6. That seek first the kingdom of God. Faut chercher premièrement le royaume des cieux. And his righteousness. Et sa justice. And all goodness will be added. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Anything you seek out of the will of God. Tout ce qui vient après la volonté de Dieu. You will not receive it. Tu vas pas recevoir. You are doing out of the will of God. Et tu dois faire un accord à la parole de Dieu. You seek and you put God first. Anything you seek. Oh, tout ce que tu cherches et que tu mets Dieu devant. You will receive it. Tu recevras. That's why the word of God also says. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi. You have faith. Faut avoir la foi. As a mustard seed. La foi, faut avoir la foi comme un grain de sénévé. Avoir la foi comme un grain de sénévé. Tu peux bouger toutes les montagnes que tu veux. Tu peux parler à une situation et la situation va se déplacer. You can move mountains. Tu peux bouger les montagnes. Anything that is before you can be removed. Tout ce qui vient contre toi sera déplacé. Si tu transformes ta parole, si tu te transformes la parole de Dieu, so my brothers and sisters, mes frères et sœurs, my mother, et mes mamans, I encourage you, je vous encourage to believe in God, de croire en Dieu, trust in God, d'avoir confiance en lui, rely on him, de l'avoir comme soutien, and his righteousness, dans la justice. You have everything in abundance. Tu auras tout en abondance. His word is life. Sa parole est la vie. Merci beaucoup. Bonne journée.